Pardon. Bonsoir à tous, bonjour selon l'endroit du monde où vous êtes. Je m'excuse du léger retard dû à des raisons indépendantes de ma volonté. L'objet de notre présentation sera d'analyser la sortie du procureur Adou Richard, sortie qui selon lui devait lui permettre de sanctionner les cyberactivistes, notamment ceux qui vivent à l'étranger et qui sont sa cible. Avant de commencer, j'aimerais condamner, comme tous les Ivoiriens, j'aimerais condamner la profanation de la tombe de notre sommité, notre artiste, DJ Arafat, alias Wonhange Didier. On ne peut pas accepter que en 2019, nous descendions si bas dans l'immoralité et dans l'atteinte même
de la dignité humaine. Et j'ai une pensée très forte pour les enfants de Didier Arafat, parce que c'est ceux-là même qui vont porter le fardeau de la profanation pratiquement tout le long de leur vie. Parce que ce que j'aimerais préciser, c'est que tout ce que nous faisons, toutes les traces que nous laissons dans les réseaux sociaux vont nous suivre pour encore 100 ans. Et c'est vraiment dommage. Ceux qui sont notamment en Occident et quelque part aux États-Unis savent que aujourd'hui, il y a des vies qui sont en train d'être influencées par les journaux que les collégiens avaient à l'époque. C'est-à-dire là où on marquait les petites sorties entre copains et ce qu'on marquait, toutes ces petites notes-là, aujourd'hui, c'est en train de compromettre des vies. Ça, c'était des journaux sur papier. Aujourd'hui, c'est des images, c'est des vidéos, c'est des sons qu'on est en train de déposer comme ça dans des serveurs dans le monde entier et qui vont ressurgir. Et donc, j'ai vraiment une pensée très forte pour les enfants de DJ Arafat. J'ai de la compassion aussi pour la famille, notamment la maman et la grande famille. Deuxièmement, j'aimerais aussi saluer la mémoire de la grande sommité qu'est l'ex-président du Zimbabwe, le président Robert Mugabe, qui est décédé à Singapour aujourd'hui. Donc, je m'incline devant sa mémoire. Pour aborder le thème du jour relatif aux menaces du procureur Adjo Richard sur les cyberactivistes ivoiriens, notamment ceux qui sont à l'étranger, je vais commencer d'abord par établir ce qu'on appelle la topologie des réseaux sociaux. Entendez par la cartographie des réseaux sociaux, c'est-à-dire le trajet que suit une vidéo postée par un individu X, quel que soit l'endroit où il est dans le monde entier. Donc, pour ce qui nous concerne, et comme c'est l'Europe qui est surtout visée, je vais expliquer avec ce tableau-là comment ça se passe. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, on voit l'Afrique et l'Europe. Et donc, lorsque un cyberactiviste poste une vidéo, il enregistre en France et puis il poste sa vidéo, eh bien, la vidéo de ce cyberactiviste va être logée dans un serveur. Un serveur, c'est une sorte de, appelez ça, un disque dur, un très gros disque dur qui est quelque part caché sur le territoire européen. Donc, c'est une copie de cette vidéo qui va être enregistrée sur ce serveur-là. La copie originale reste chez le concepteur, le producteur de la vidéo. Mais une copie va dans le serveur. Par exemple, si le producteur a publié sa vidéo sur Facebook, eh bien, une copie de la vidéo va être enregistrée sur les serveurs de Facebook. Mais ces serveurs-là sont éparpillés quelque part en Europe, mais surtout dans la même juridiction. Je précise bien, la même juridiction. C'est important, ça va, l'importance de la notion de même juridiction va venir tout à l'heure. Et donc, de façon pratique, une copie, si c'est sur Facebook, une copie va dans un des serveurs à titre principal, mais cette copie-là sera dupliquée sur différents serveurs de ce même Facebook-là, toujours dans la même juridiction. Donc, l'Union européenne constitue une juridiction en matière de commission de communication. C'est comme ça on les appelle, la Commission européenne de communication. Et donc, cette commission-là gère tout ce qui a trait aux réseaux sociaux et notamment dans les aspects légaux. Et donc, selon le schéma que j'ai fait ici, la vidéo d'un individu X qu'il télécharge sur un serveur, et ce que je dis pour Facebook est valable pour YouTube, c'est valable pour Twitter, c'est valable pour Instagram et tout ça. Et donc, la vidéo, par exemple, qui est faite en France, va être dans un serveur en France, mais ça sera dupliqué dans différents serveurs à travers l'Europe. L'emplacement des serveurs est secret pour des raisons
de sécurité, mais des copies seront distribuées. Et pourquoi les copies sont distribuées? Parce que un serveur peut être défaillant. Et donc, pour éviter que, en voulant accéder à une vidéo, on ne puisse pas accéder parce que le serveur est défaillant, eh bien, le système va nous diriger. Lorsqu'un serveur est en panne, le système va automatiquement nous diriger vers d'autres serveurs où il y a des copies de cette même vidéo. Mais c'est tellement rapide que nous, on ne saura pas. On ne saura pas ce qui s'est passé. On ne saura pas, même pas qu'un serveur est défaillant. Et donc, on va toujours accéder à nos vidéos. C'est pour ça que c'est dupliqué. Mais c'est toujours dans la même juridiction. C'est-à-dire, dans notre cas, dans la juridiction de l'Union européenne. Première des choses. Donc, le procureur Adu Richard n'est pas sur le territoire et il n'a pas juridiction sur le territoire européen. Donc, tout ce qui est distribué en Europe, ça ne le concerne pas. Ça, c'est d'un. Ensuite, d'après les accords que nous, particuliers, nous signons avec Facebook, YouTube et tout ça pour loger nos productions sur leur plateforme, eh bien, d'après ces accords-là, tout ce que nous logeons là-bas leur appartient. Ils ont 100% des droits de ce que nous publions là-bas. Ils nous donnent la latitude d'administrer ce que nous postons là-bas, c'est-à-dire aller y faire des modifications, aller ajouter ou diminuer des permissions, mais les droits légaux leur appartiennent. Pourquoi ils font ça? Parce que on est en technologie. Il est possible que, pour une raison ou une autre, un serveur où nos données sont sauvegardées, eh bien, ce serveur-là peut être défaillant et les données peuvent être perdues. Donc, pour éviter des poursuites judiciaires, ils préfèrent demander à ceux qui hébergent leurs données chez eux d'avoir des copies originales chez eux à la maison, de sorte que les copies qui sont publiées appartiennent à Facebook, à YouTube, à Twitter et ainsi de suite. C'est très important. Et donc, encore une fois, quand le procureur Adu Richard vise un cyberactiviste parce qu'il y a une vidéo sur YouTube, eh bien, le cyberactiviste est visé, mais il n'est pas concerné parce que la vidéo que le procureur Adu Richard regarde n'est plus la propriété de celui qui l'a produite. Sur le plan légal. Parce que par le contrat de publication sur le site, le concepteur de la vidéo a cédé ses droits au propriétaire du site. Le propriétaire du site, voulant se protéger, il a amené le propriétaire de l'œuvre à lui céder ses droits. Donc, si le procureur Adu Richard se base sur une publication vue sur Facebook, eh bien, cette publication n'appartient plus à la personne qui l'a produite et la personne que le procureur vise. Sur le plan légal. Donc, on ne peut pas attaquer une vidéo qu'on a vue sur YouTube en allant attaquer celui qu'on a vu dedans parce que c'est lui qui l'a produit. Si vous l'avez vu sur YouTube, ça ne lui appartient plus. Donc, si vous devez attaquer la plateforme Facebook, Twitter, YouTube, c'est eux qui sont propriétaires de cette œuvre-là. Autre chose. Lorsque, à partir d'Abidjan, une personne regarde une vidéo sur un des médias sociaux, Facebook, YouTube et tout ça, en réalité, cette vidéo-là n'est pas à Abidjan. Cette vidéo-là est dans un serveur en Europe, quelque part en Europe ou aux États-Unis ou en Asie. Donc, la vidéo n'est pas en Afrique. Donc, c'est par une connexion Internet que l'individu qui est à Abidjan voit la vidéo. Mais en réalité, la vidéo est toujours en Europe. Elle n'est pas à Abidjan. C'est pour cela que quand une personne regarde une vidéo et que sa connexion Internet se coupe, eh bien, la vidéo disparaît et elle n'y a plus accès. Autre chose. Vous pouvez commencer à regarder une vidéo sur YouTube ou Facebook au bureau. Et interrompre votre vidéo parce que vous voulez rentrer à la maison, vous éteignez l'ordinateur et vous partez. Mais lorsque vous arrivez à la maison, ou bien lorsque vous êtes en voiture, que vous n'êtes pas au volant, et que vous vous reconnectez
pour vouloir revoir la vidéo, vous voyez que, alors que l'ordinateur du bureau est éteint, YouTube ou Facebook vous met exactement là où vous avez arrêté sur l'ordinateur du bureau. Pourquoi? Parce que ce que vous regardiez n'est pas dans l'ordinateur du bureau. Ça est sur un serveur en Europe ou aux États-Unis ou en tout cas à l'étranger, selon la plateforme et selon le type de vidéo qu'on a voulu regarder. Et donc, je dis ça pour montrer que tout ce qu'on voit à Abidjan, en réalité, physiquement, il est en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs. Donc, il n'est pas sur le territoire du procureur Adou Richard. Donc, dire que des enfants regardent des vidéos et que c'est choquant, tout ça, on va arrêter. Non, les vidéos sont en Europe. Donc, ceux qui sont... Donc, il n'y a pas d'infraction au niveau d'Abidjan. À la limite, si le procureur Adou Richard veut voir une infraction, il doit la voir sur ceux qui ont... Il doit accuser ceux qui regardent d'avoir regardé. Sinon, celui qui l'a produit, ça est sur un serveur en Europe. Il n'y a même pas de serveur en Afrique, justement, à cause des gens comme Adou Richard, pour éviter que les serveurs soient braqués pour aller fouiller là-dedans pour arrêter les opposants. Eh bien, ils préfèrent les loger dans des pays sécurisés. Et donc, si le procureur Adou Richard veut poursuivre un individu qu'on a vu dans... qu'il a vu dans une vidéo sur Facebook, il veut se rendre en Europe pour aller poursuivre, eh bien, comme je le dis là, s'il parle de ce qu'il a vu, il doit attaquer la plateforme, soit Facebook, soit YouTube, soit Twitter. Eh bien, c'est cette plateforme-là qu'il doit attaquer, pas celui qui a produit la vidéo. Maintenant, si, parce qu'il a identifié une personne, il veut engager des poursuites, eh bien, en ce moment-là, il va engager la poursuite selon la loi qui régit l'Union européenne sur ce type de communication-là. Et aussi, il va se porter comme plaignant, comme le ferait tout Français. Et c'est selon la loi française qui régit les communications de ce genre que l'affaire sera jugée. Et donc, s'il y a condamnation, l'individu sera condamné selon la loi européenne. Et il va purger sa peine en Europe. On ne va jamais donner quelqu'un à Adou Richard pour dire « va le juger à Abidjan » et tout ça. Ça ne se fera pas. Parce que comme je le dis là, l'Internet est régulé au niveau de l'Union européenne par des tests très bien, très précis. On ne quitte pas un pays pour aller réclamer des preuves sur un autre continent pour venir... Non, ce n'est pas possible. Et pourquoi ça s'est fait? À cause des comportements comme celui du procureur Adou Richard. Eh bien, au niveau de la convention, au niveau de l'Internet, ils ont décidé que, pour des raisons juridiques, toutes les preuves concernant une affaire doivent être localisées dans le même territoire juridique. De sorte que, s'il y a quelqu'un qui se plaint d'une violation au niveau des États-Unis, eh bien, toutes les preuves doivent pouvoir être réunies aux États-Unis. Et il en va de même de l'Europe. Si en Europe, il y a violation, toutes les preuves, à savoir toutes les traces technologiques, doivent pouvoir être disponibles en Europe. Et donc, au niveau de l'Union européenne, donc de la production même de l'œuvre jusqu'à sa sauvegarde dans des serveurs, tout est contenu sur le même territoire, le même espace régi par la même loi. Et l'un des avantages de cette loi-là, c'est que, par exemple, s'il y a une infraction, quelqu'un en Europe constate une infraction et qu'il demande à avoir des preuves qui sont localisées aux États-Unis, si quelqu'un qui est en Europe porte plainte et que il veut que sa preuve est aux États-Unis, sur un serveur aux États-Unis, eh bien, le juge américain, lui, il tranche selon la loi américaine. Donc, quand tu vas recevoir une requête, parce qu'évidemment, pour avoir des données, il faut passer par un juge qui va autoriser, parce que les données des personnes sont protégées par la loi. Et donc, pour que le juge accède à la demande, il va, lui, en tant que juge américain, il va appliquer la loi américaine. C'est sur cette base-là, c'est sur la base de la loi américaine qu'il est juge. Et donc, il va vouloir s'assurer que, d'après la loi que lui il est supposé appliquer, l'infraction est fondée. Et si l'infraction n'est pas fondée, d'après
la loi selon laquelle lui, il est autorisé à juger, il va rejeter la demande. C'est pour ça qu'on préfère que, au niveau de l'Europe, toutes leurs preuves soient contenues là-bas. Et les Facebook, les YouTube, tout ce qui concerne les Européens, ils sauvegardent ça en Europe. Facebook ne va pas sauvegarder des données personnelles des Européens aux États-Unis et vice-versa. C'est justement pour des raisons juridiques. De sorte que quand il y a une plainte en Europe, toutes les preuves soient là-bas et que sur la base des lois européennes, le juge puisse trancher. Il en va de même au niveau des États-Unis. Toutes les preuves aux États-Unis sont contenues sur le territoire juridique des États-Unis, de sorte que un juge aussi puisse avoir tous les éléments pour pouvoir trancher sans avoir un blocage au niveau de la loi sur un autre continent. Et donc, pour me résumer, tout ce qui est sauvegardé en Europe et qu'on voit appartient à Facebook, à Twitter et donc et non pas à ceux qui les ont postés. Ensuite, si le procureur veut poursuivre, il doit poursuivre donc les plateformes et non les individus qui les ont publiés. Et s'il veut poursuivre les individus, il va falloir chercher des preuves physiques, c'est-à-dire les ordinateurs ou bien les tablettes ou les téléphones sur lesquels les enregistrements ont eu lieu. Ce sont ces preuves physiques-là que éventuellement la justice peut utiliser si elle ne veut pas poursuivre Facebook pour condamner ces individus-là. Mais si on va sur ce plan-là, en ce moment-là, c'est un individu qui a commis un crime en France ou en Allemagne ou bien à Londres, ainsi de suite. Donc, c'est la justice de ce pays-là qui a habilité à le juger. Parce que je ne pense pas que le procureur d'Abidjan a compétence pour choisir un accusé en Europe pour dire, bon, pour cette infraction-là, emmenez-moi, je vais le juger, c'est impossible. Les accords ne sont pas basés sur cet aspect-là. Voilà. Et donc, il est important de savoir que, encore une fois, le procureur Adoucha ne peut pas poursuivre quelqu'un en Europe. C'est un coup d'épée dans l'eau par rapport à tout ce que je viens d'expliquer. Il ne peut pas poursuivre quelqu'un en Europe. C'est juste du bluff. Ensuite, dans le cas même où on peut lui dire, bon, ok, il faut aller te plaindre. Et on lui donne ce droit-là d'aller se plaindre. Mais il y a des cadavres dans son placard. Concernant la notion de morale, d'atteinte à la dignité et tout ça dont il parle. Il y a des cadavres dans son placard à ce niveau-là. Il y a Dame Mariam Traoré, députée de son État, qui a attaqué les parties intimes de Madame Sita Koulibaly. Madame Sita Koulibaly, je rappelle, elle est femme d'abord. Elle est mère avant d'être PDCI. Madame Sita Koulibaly est la première femme ingénieure des travaux publics de Côte d'Ivoire. Donc, normalement, un bâtiment même devrait pouvoir porter son nom. C'est quelqu'un qu'on devait pouvoir honorer et respecter. Mais Madame Mariam Traoré a insulté cette dame-là via les réseaux sociaux. Ça a été partagé. Tout le monde l'a vu, tout le monde a entendu. Une plainte a été dûment portée auprès du procureur Adou Richard. Et cette plainte-là dort dans ses placards. Il y a de nombreux cyberactivistes qui, il y a notamment l'épandage de sang devant le domicile du président Henri Konan Bédié pour faire des incantations ou des malédictions. Il y a tous les cyberactivistes du RDR unifié qui menacent Soro de mort, criblé de balles, on va le tuer. Ils en disent de même du président Bédié. Tout ça est sur les réseaux sociaux. Et ces individus-là sont à Abidjan auprès du procureur Adjo Richard. Le procureur Adjo Richard dit que les enfants regardent les réseaux sociaux et donc quand il y a des productions qui atteignent la dignité, c'est pas bon parce qu'on doit éduquer les enfants. Eh bien, je vais encore lui rappeler qu'il y a un gamin que le parti au pouvoir balade dans les soirées pour insulter les opposants. C'est un enfant de rien du tout qu'on amène pour insulter Bédié, qu'on amène pour insulter Soro, qu'on amène pour insulter tous les opposants.
Et donc, ayant tous ces cadavres-là, hein, dans ces tiroirs, sur 15 balles, le procureur Adou Richard peut aller devant un tribunal en Europe pour parler de sauvegarde de la moralité. Sur quelle base? Sur quelle base? Il sera aisé de le renvoyer à sa copie. On lui demandera d'aller brouter l'herbe qui est autour de là où il est attaché avant de venir chercher de l'herbe en Europe. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons que j'ai évoquées là, le procureur Adou Richard, comme encore une fois, ce n'est que du bluff. Il ne peut rien. Il va se heurter. Au contraire, moi je fais cette vidéo surtout pour que je sais qu'il fait exprès et je veux croire qu'il fait exprès et que j'expliquerai pourquoi j'ai dit qu'il fait exprès devant. Mais je veux éviter la honte en notre pays. Parce que s'il s'aventure à amener des commissions rogatoires pour aller réclamer des cyberactivistes en Europe, comme je le dis là, sur le plan juridique, il n'a aucune base pour, sur la base d'une vidéo qu'on a vue à Abidjan, vouloir poursuivre quelqu'un. Parce que comme je le dis là, la vidéo n'est pas à Abidjan, la vidéo en Europe. Donc c'est celui qui s'est connecté, qui est allé, qui a voyagé en Europe de façon virtuelle pour regarder une vidéo. La vidéo n'a jamais quitté là-bas. Et comme il n'a pas compétence en Europe, et que, encore une fois, il ne peut pas attaquer Facebook, il ne peut pas attaquer YouTube. Et donc, bon, voilà, c'est du bluff. C'est du bluff. Et pour terminer rapidement, je vais essayer d'expliquer en fait les raisons de la sortie du procureur Adou Richard. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le procureur Adou Richard n'est pas sorti parce que il était préoccupé par les cyberactivistes. Il y a eu deux faits. Il y a eu le mauvais souvenir de la profanation de la tombe de Didier Arafat. Il y a eu ce mauvais souvenir là qui continuait d'être sur les réseaux sociaux et qui continuait de faire l'objet des conversations. Et donc, il fallait trouver un moyen de mettre fin à ça. En dehors de Didier Arafat qui crée le buzz, il y a Lolo Beauté qui crée le buzz aussi. Donc, il faut soulever un autre sujet de buzz pour essayer de détourner l'attention de la communauté des réseaux sociaux, bien pour détourner l'attention de l'échec de l'enterrement de Didier Arafat. Il faut créer du buzz avec Lolo Beauté. Ce n'est pas la première fois que Lolo Beauté elle a fait une fois. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant que le procureur subitement se souvient qu'il y a une morale dans ce pays, ou du moins il y a une morale en Côte d'Ivoire, il y a une morale à préserver. Lolo Beauté, ça fait des années qu'elle fait son truc et elle fait la même chose. Et donc pourquoi c'est maintenant? Eh bien, parce qu'il fallait trouver un moyen de tenir l'attention vers un autre sujet. Et deuxième raison de la sortie du procureur Adou Richard, faire en sorte que le gouvernement des campagnes 2020 que le RDA unifié vient de publier, eh bien faire en sorte que ça soit un sujet secondaire et que on ne s'appesantit pas là-dessus. Et donc pour que ça passe plus facilement. Voici les raisons de ces sorties. Ce n'est pas parce que il est préoccupé par la morale et tout ça. Comme je le dis, il y a des cadavres dans son placard et donc il sait que ayant ces cadavres là, il ne peut pas mener une commission rogatoire dans un quelconque pays pour dire qu'il va réclamer un cyberactiviste. C'est impossible, c'est de l'utopie, il ne le fera jamais parce qu'il n'a aucune base juridique de le faire. Donc voilà un peu ce que je voulais expliquer. Je vais rapidement parcourir les commentaires pour voir s'il y a des questions. Voilà, j'ai autorisé une personne à participer, donc si elle peut se manifester, ou alors on va se dire au revoir, je ne vais pas tarder. S'il y a des questions, vous pouvez les poser aussi par écrit, je vais y répondre. Voilà, et donc c'est surtout pour dire aux cyberactivistes que c'est un coup d'épée dans l'eau et que
il n'y a pas le feu en la demeure. On ne peut pas brimer. Monsieur Adou Richard ne peut pas se mettre au service d'un régime au lieu d'être au service du peuple. Il est au service d'un régime et il ne peut pas, après avoir fermé la bouche de tout le monde au pays, il ne peut pas vouloir sortir du territoire ivoirien pour vouloir fermer la bouche aux Ivoiriens de la diaspora. C'est peine perdue, c'est de l'utopie, ça ne se fera pas. Ceux qui veulent s'exprimer auront toujours le droit de s'exprimer. C'est le seul moyen que nous avons pour participer au débat dans notre pays. Il y a des bouches qui sont en train d'être fermées et quand c'est fermé, il faut que d'autres bouches s'ouvrent ailleurs pour pouvoir contribuer à faire avancer les droits dans notre pays. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais sans tarder mettre fin à cette présentation. Je vous remercie et à une autre fois pour d'autres sujets, notamment on débattra des précautions à prendre pour ah oui, c'est vrai. Je voulais donner des conseils dans l'annonce. J'ai dit que j'allais donner des conseils à la fin pour que ceux qui sont sur le territoire ivoirien puissent se préserver des pièges du procureur Adou Richard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on enregistre une vidéo, par exemple, si j'enregistre une vidéo avec mon téléphone, eh bien, cette vidéo a une signature qui est unique. C'est-à-dire que quand on analyse cette vidéo, on saura quel appareil exact dans le monde entier là, a filmé cette vidéo-là, quel jour, quelle heure et à quel endroit du monde la personne était quand elle filmait cette vidéo. Et donc, si je partage cette vidéo, c'est-à-dire si je l'envoie par Internet, cette vidéo va laisser des traces, c'est-à-dire les références de l'appareil et de la personne qui l'a filmé le jour, l'heure. Ça va laisser des traces sur les serveurs, sur son parcours. Et donc, à partir de ces traces-là, et c'est là que l'identification des numéros de téléphone intervient, si j'ai mis un numéro ivoirien identifié dans ce téléphone-là, eh bien, ça va ressortir les numéros de téléphone qui ont été utilisés avec cet appareil. Et donc, ça va lier les personnes qui ont été identifiées avec ce numéro-là à ce téléphone. Et donc, aisément, on peut aller mettre la main sur ces personnes-là pour dire, il y a une vidéo qui a été postée, l'appareil qui est enregistré, ça vous appartient parce que votre numéro a été utilisé dans cet appareil-là. Soit le numéro est toujours dedans même, ou alors ça a été utilisé, mais ça va laisser des traces pour qu'on puisse remonter exactement à la personne dont le numéro a été enregistré, ou bien la personne qui a l'abonnement Internet. Voilà. Et donc, il y a deux choses. Il y a l'abonnement Internet avec lequel ce téléphone est fréquemment utilisé. On peut remonter. Ça va même localiser là où la personne utilise ce téléphone. Vraiment, c'est pour dire que la traçabilité permettra de remonter à la personne qui a filmé la vidéo. Dans les cas de situations où les vidéos sont partagées, repartagées et tout ça, généralement, pour savoir qui a été la première personne, en fait, qui a filmé la vidéo, on va remonter et on peut retrouver la première personne qui a partagé cette vidéo-là. Ça va être forcément la personne qui a filmé la vidéo. La première personne à l'avoir postée. Et on peut retrouver. Parce que chaque fois qu'il y a des échanges, même s'il y a quelqu'un qui est à côté de moi et que je veux lui envoyer une vidéo, la vidéo ne part pas de mon téléphone directement à son téléphone. La vidéo, si, à supposer que je lui envoie une vidéo sur WhatsApp, eh bien, la vidéo, donc si la personne est à côté de moi et que je veux lui envoyer une vidéo, la vidéo ne partira pas de mon téléphone au téléphone de la personne directement. La vidéo, à supposer que j'ai voulu transmettre la vidéo ou bien une image ou un texte, n'importe quoi, eh bien, ça va voyager, ça va passer par
l'Internet de mon téléphone, aller au serveur de mon opérateur, aller dans le serveur de WhatsApp en Europe, parce que généralement, c'est les serveurs de l'Europe qui desservent l'Afrique. Donc, ça va aller dans le serveur de WhatsApp en Europe avant de revenir, faire le chemin retour, passer par le serveur Internet de mon voisin avant d'aboutir à son téléphone. Et donc, tout ça, à chaque étape, en partant la vidéo, laisse des traces, en revenant, ça laisse des traces et ça montre l'aboutissement final à quel téléphone cette vidéo ou bien cette photo ou ce texte. Donc, ça va, tout ça laisse des traces. Et c'est des recherches qu'on peut faire. Et c'est ce que la cellule des traces technologiques fait à Abidjan. Voilà. Et donc, ne pensez pas que parce que vous avez envoyé directement à quelqu'un qui est à côté, ça veut dire que ce n'est pas, il n'y a pas de traces ailleurs. Non, ça va aller laisser des traces en Europe avant de revenir. Et donc, pour retrouver qui a originalement envoyé un élément, eh bien, il y a des logiciels qui permettent de faire les recherches. Eh bien, on partira à la première personne, puisque chaque partage marque le jour, l'heure exacte, à la seconde près, ainsi de suite. Donc, il y aura une longue liste si la vidéo a été partagée par un grand nombre de personnes. Eh bien, il y a une longue succession sur les serveurs de cette vidéo-là, parce que, encore une fois, cette vidéo a une signature particulière. Il y a un code, ça a un code particulier, l'appareil qui l'a filmé, tout ça, à chaque échange, ça va avec. Et donc, la première personne qui a posté la vidéo, eh bien, on estime que c'est la personne qui l'a produite et c'est comme ça qu'on va l'attraper. Voilà. Et donc, le conseil que j'aimerais donner, c'est que si vous avez identifié ou vous avez fait identifier votre numéro et que vous perdez votre téléphone, eh bien, il faut aller signaler à la police, donner les références de votre téléphone à la police pour que si ce téléphone est utilisé dans un cas de cybercriminalité, eh bien, si ce téléphone a été utilisé, vous êtes couvert si on vient vous attraper parce que au moins vous avez signalé que vous n'avez plus ce téléphone-là. C'est très important. Alors, quelqu'un me dit que, oui, Marilyn Christelle Amani me dit que WhatsApp, le processus est un peu plus compliqué. Oui, je sais que le processus est un peu plus compliqué. Je sais que WhatsApp crypte les communications. Je sais ça. Et tout ce que je viens d'expliquer, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais comme tout le monde n'est pas technique, si je rentre dans les détails, les gens vont se perdre et l'essentiel, ne pourra pas être retenu. Sinon, tout ce que j'ai dit pour Facebook, pour YouTube, dans les serveurs et tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je peux même ajouter que pendant que vous regardez une vidéo à Abidjan, si on vous attrape rapidement dans les secondes là qu'on branche votre appareil, on peut récupérer même la vidéo que vous regardez dans votre téléphone. Il y a une mémoire temporaire qu'on appelle la mémoire cache qui sauvegarde ça pendant que vous regardez. Mais si la connexion est coupée, après quelques secondes, la vidéo disparaît. Mais sinon, dans l'instant même, on peut la. Donc, je peux même aller dans plus de détails, mais pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques. Donc, je pense avoir dit l'essentiel. Et donc, encore une fois, conseil, la meilleure des précautions, c'est de ne pas partager tout ce qui viole la loi, de ne pas partager tout ce qui choque la morale, de ne pas partager tout ce qui est indécent. Il vaut mieux ne pas partager ces choses-là. Il vaut mieux ne même pas les enregistrer dans son téléphone ou dans son ordinateur et tout ça. Parce que tout ce que vous avez et qui viole la loi, eh bien, si vous êtes pris, vous allez en subir les conséquences. Voilà. Donc, je vais revenir encore sur ces sujets-là au fur et à mesure que les mois vont venir, parce que il y aura d'autres risques auxquels on s'expose ordinairement et contre lesquels il va falloir et donc encore une fois dans de prochaines présentations on va aborder les sujets relatifs à notre propre sécurité même avec nos appareils, notamment nos téléphones et nos tablettes, parce que avant l'ordinateur était toujours à la maison. Donc, on était moins exposé. Mais là, on a nos téléphones dans nos mains pratiquement
quand on attend qu'on a les yeux ouverts. Et donc, on est en train de cliquer à tout moment. Et donc, notre exposition au risque de la cybercriminalité et de l'intrusion dans notre vie privée est très élevée. Et donc, dans des prochaines vidéos, nous allons aborder certains autres aspects de ce sujet-là. Donc, je vais vous remercier. Je sais que je reçois des demandes de précision. Comme je le dis là, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques parce que je ne veux pas embrouiller l'auditoire. Voilà, c'est un domaine assez particulier. Et donc, si je rentre dans la technicité, je vais embrouiller l'auditoire. C'est pour ça que je me contente de donner vraiment les choses à grands traits et de manière simplifiée pour permettre que les uns et les autres puissent comprendre facilement. Voilà. Je vous remercie.